mobilier et ses objets, suivi Marcel Proust, dans les trois logements qu'il occupa après la mort de ses parents. Après une jeunesse assez frivole, il s'était retiré du monde pour se consacrer entièrement à l'écriture. Il écrivait la nuit, couché. Carnavalet a-t-il récupéré tout ça? C'est un don de Monsieur Jacques Guérin, célèbre parfumeur et grand collectionneur. Par le cadet de Marcel Proust, son frère Robert, qui était médecin. Par une douleur aiguë, ici, ici. Ah, c'est l'appendicite. C'est l'appendicite. Hospitalisation. Thank you.
diamant. Voici le Sanctum Sanctorum, le Saint des Saints. Toutes les senteurs sont là, dans ces flacons. Toutes? Toutes! Ce sont ces fragrances que l'on combine pour composer nos créations. Rétabli. Grâce à vous, docteur Proust. Vous voyez là le bureau et la bibliothèque de mon frère Marcel. Mon père, le professeur Adrien Proust, les lui avait légués. Je les ai conservés avec piété. Dans ces cahiers, il y a son œuvre manuscrite tout entière. Tenez, regardez. Permettez-moi de vous dire quelle a été ma joie quand, au cours de ma visite dans son cabinet, votre mari m'a accordé le privilège de voir les cahiers manuscrits de son frère Marcel, que j'admire tant. Posséder une immense quantité de manuscrits, de lettres, de papiers de votre beau-frère. Ça doit être passionnant. Ne m'en parlez pas, cher monsieur. Nous sommes envahis de papiers en tout genre.
rien de précis. Baudelaire, Apollinaire, Proust. Quand c'était ange, je viens d'acquérir il y a quelques minutes à peine des brouillons et des épreuves corrigées de Marcel Proust. Le jeune homme qui me les a vendus m'a proposé aussi son bureau et sa bibliothèque, mais je lui ai dit que les meubles ne m'intéressaient pas et il doit repasser récupérer son chèque. Attendez-le si vous voulez. Pour les manuscrits, laissez-moi quelques jours pour les classer et alors je serai disposée à vous les vendre. Monsieur Werther, monsieur Guérin, Jacques Guérin, il paraît que vous vendez les meubles de la maison de Proust. C'est Marcel, oui, le docteur Robert est mort. Madame sa veuve doit quitter l'appartement immédiatement. Tout le reste a été enlevé par sa fille, Suzy. Mais ces deux meubles, personne n'en veut. Vous m'en donnez 1500 francs, ils sont à vous. C'est au-delà de Hoche. Mais il faut les embarquer tout de suite. L'appartement doit être libéré tantôt. Et tout ce qui reste, moi, je l'apporte à l'hôtel des ventes. Dans l'entrée, c'était à Marcel Proust. Madame a arraché les dédicaces. Elle voudrait pas que son nom circule. Des papiers pleins d'écritures, des feuilles arrachées, des cahiers et des lettres. Depuis deux jours, nous brûlons toutes ces paperassouilles. Mais où sont les manuscrits? Leur fille les a mis dans un coffre. L'éditeur leur a dit que ça avait pas mal de valeur. C'est pour ça qu'on a cessé de les brûler. C'est vraiment bête qu'on l'ait pas su plus tôt. Cherchez encore, je vous en prie. Je vous achète tout ce que vous trouverez au prix que vous voudrez. Cher
cher petit grand-père, je viens réclamer de ta gentillesse la somme de 13 francs. J'avais si besoin de cesser mes mauvaises habitudes de masturbation que papa m'a donné 10 francs pour aller au bordel. Mais, premièrement, dans mon émotion, j'ai cassé un vase de nuit, 3 francs. Deuxièmement, dans cette émotion, je n'ai pas pu baiser. Mais je n'osais pas redemander si tôt de l'argent à papa. Et j'espérais que tu voudrais bien venir à mon secours. Dans cette circonstance, côté de chez Swann, à mon petit frère, souvenir du temps perdu, retrouvé pour un instant chaque fois que nous sommes ensemble. Mon livre, Le côté de Guermantes, paraîtra dès la première semaine d'octobre. Bien que moitié plus court que les autres, je suis certain que tu ne le liras pas. Lionel Hauser, octobre 1918, mon frère a épousé une femme très riche. Je crois que vous ne me dites pas tout. Tout ce que j'avais, je vous l'ai vendu. Il doit bien rester quelque chose. Oh, et puis zut, voilà. Imaginez-vous que j'aime la pêche. J'y vais tous les dimanches sur la Marne. J'ai une barque et Madame Proust, qui est bien bonne, m'a dit: vous allez prendre froid dans cette humidité. Tenez, prenez le manteau de Marseille pour le mettre autour de vos jambes. Je le veux, même ça les déchirer. Monsieur, je ne peux pas. Je n'oserai jamais. Bon, en tout cas, je ne veux pas d'argent. Cet aristocrate que Robert aspirait justement à ne pas être, dans l'aisance avec laquelle il offrait sa voiture à ma grand-mère et l'y faisait monter, dans son adresse à sauter du siège quand il avait peur que j'eusse froid pour jeter son propre manteau sur mes épaules. Puisque
puisque vous êtes souffrant, il faut faire attention. Je vais aller chercher votre pelu. Ne vous dérangez pas, baron, j'y vais, dit Brichot, qui s'éloigna aussitôt, ne se rendant peut-être pas exactement compte de l'amitié très vive que monsieur de Charlus avait pour moi. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est mon pardessus qui l'apporte, dit-il, en voyant que Brichot avait si longtemps cherché pour un tel résultat. J'aurais mieux fait d'y aller moi-même. Enfin, vous allez le mettre sur vos épaules. Savez-vous que c'est très compromettant, mon cher? C'est comme de boire dans le même verre. Je saurai vos pensées. Et tout en me mettant son paletot, il me le collait contre les épaules, me le montait le long du cou, relevait le col et de sa main frôlait mon menton en s'excusant. À son âge, ça ne sait pas mettre une couverture. Il faut le bichonner. J'ai manqué ma vocation, Brichot. J'étais née pour être bonne d'enfant. En croisant sa pélisse, blême, les yeux cernés de bistre, un litre d'eau déviant dépassant de sa poche. Afin de me couvrir de fourrure et de moire, sans de ses larges yeux renverser l'encre noire. Tel ainsi au plafond, tel sur la neige inscrit, j'en sauta sur la table auprès de Nijinsky. Femme, sa vie a dû être bien triste. Madame Marthe, triste. Pourquoi donc croyez-vous qu'elle m'ait donné le manteau de son beau-frère? Pour que j'aille à la pêche. Ah, si vous saviez, madame et moi, j'étais son homme à tout faire, oui, et croyez-moi, je lui faisais tout.